Putain, mais qu'il est con! Putain, c'est toi le con! Je te laisse la place! Je lui laisse la place, il me rentre dedans! Bienvenue tout le monde pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Assetto Corsa Competition pour poursuivre notre aventure sur le site LFM. Et aujourd'hui, une course de 45 minutes pour l'instant. Vu que je suis en rookie, on va faire vraiment que les courses 45 minutes où il y a un setup, un arrêt obligatoire avec bien sûr tous les setups ouverts, etc., etc. Et aujourd'hui, pour cette course de 45 minutes, on se retrouve sur le circuit de Suzuka, circuit que j'aime beaucoup. Un de mes circuits, enfin, mon circuit préféré avec Spa-Francorchamps, j'en ai deux. Et on sera toujours avec la BMW. Donc voilà, je me suis entraîné. J'ai fait un petit setup comme d'habitude, stable, pas un setup rapide. Voilà. Dans les essais, alors je sais pas comment roulent les autres concurrents, s'ils roulent avec le plein ou sans le plein, s'ils sont en mode qualif ou pas, ou si, parce que voilà, tous les adversaires sont mélangés, et du coup, je sais pas qui est à peu près de mon level, mais pour l'instant, sur, allez, on va dire sur, je vais vous montrer ça, sur 34, je suis 21ème, voilà, je suis 21ème, mon meilleur temps, il est en 2-2. 400, alors que le premier il tourne en 1,58. Je suis très très loin, et là je viens de passer de 22ème, donc je suis très très loin. Donc je vais encore rouler juste quelques tours avant que la course démarre. Je vais faire les qualifications de mon côté comme d'habitude, et nous on se retrouve pour la course sur la grille de départ. Allez, on va être parti. Je me suis qualifié 7ème sur 21 pilotes, et franchement je suis étonné. Vraiment, parce que 7ème temps, j'ai amélioré largement mon temps. J'ai fait 2-1-0-9, un truc comme ça, je crois. Et franchement, c'est top, quoi. C'est vraiment top. Donc là, on va faire le tour de chauffe. On va voir ce qu'on peut faire. Le premier virage va être coton. Le premier virage, vraiment, j'ai ultra peur du premier virage. Parce que j'ai fait une bonne qualification, je me sens bien avec le setup, honnêtement. Il est assez stable, et je me sens assez bien. Et du coup, j'ai peur que voilà, le premier virage, on arrive à un moment donné où ça va pas freiner derrière et ça va me rentrer dans le cul. Donc voilà, on verra bien. Il y a un arrêt obligatoire, alors j'ai déjà réglé l'arrêt, voilà, donc du coup pas de changement de pneu, pas de réparation de dégâts. On verra par la suite hein, s'il y a un accident, de toute façon tout ça, ça reste à peaufiner. Mais voilà, on va faire son arrêt. Donc je vais partir déjà pour 45 litres dès le départ, et après je vais remettre 42 litres pour avoir un petit peu large. Mais selon les calculs, normalement je dois faire 22 tours. Normalement on est parti pour 22 tours. Donc on verra bien. Allez. Moi, je vais continuer à faire chauffer les pneus et les freins. Et on se retrouve, nous, pour le lancement de la course. Bon, allez, on va être parti. On va être parti. Et là, la Mercedes derrière, elle essaie de griller une place. Je dis ça, je dis rien. Déjà, lui, qui laisse pas de place. Allez, premier virage s'il vous plaît. Pas de dégâts s'il vous plaît. Et que moi j'en fais pas de dégâts s'il vous plaît. Les pneus sont un peu froids. Hein. Bon, le départ il était bien. Les pneus sont froids donc je vais doucement. Hein.
La BM derrière, elle me fait peur, hein. Hyper tard la BM. Allez, on est parti pour 45 minutes de course. Ah putain. Putain, la BM elle y a été, hein. Moi j'ai été doucement parce qu'il y avait la Ferrari. Mais la Ferrari elle a tourné sur moi sans que... comme si j'étais pas là. C'est les deux derniers virages là où je perds énormément de temps parce que j'ai trop peur de les prendre vite. Fais pas le fou, fais pas le fou. J'ai la pression derrière, hein, quand même.
Slow car ahead. C'est 5e. Il m'a repris sur les freins. C'est ouf. Yellow flag in sector 3. Pour l'instant ça va, ça fait 10 minutes là, pour l'instant on est bien, pas parfait mais on est bien.
pilote de la Ferrari s'est planté. Alors c'est Cosa qui se retrouve derrière moi, le McLaren. À mon avis, il vient de loin, lui, parce qu'il a vite rattrapé le pilote qui était derrière moi, de base. Le 7ème, il est à 4 secondes 3. Je serais bien tenté de le laisser passer Cosa là. Bon, je vais peut-être pas avoir le choix de le laisser passer. Voilà, je me suis foiré. Ah, c'est le destin. Alors, je pourrais démarrer en 3, en 2 là. Pourquoi je démarre en 3 pour avoir de la motricité en accélération. Pour pas qu'elle parte. Putain, la McLaren, comment elle rattrape la BM. Et ceux qui sont habitués au jeu là, la McLaren elle est cheatée, non? Chaque fois je les vois devant les McLaren. Alors on va se reconcentrer parce que là. Oh là là. Oh
Qu'est-ce qu'ils sont tous là? Je vais rentrer au stand, je pense. Comme ça, au moins, je les laisse partir, tu vois. Ah, je suis rentré vraiment mal là. Mais l'autre il coupe tout le temps, il y en a un, il coupe tout le temps là. Faut le dénoncer lui. Bon, on va tout de suite rentrer au stand, comme ça au moins c'est fait. On va pas changer les pneus. On va être parti pour 24 tours. Ah, si Koza il change les pneus ou pas. Non, il change pas les pneus. Il a pas changé les pneus. Allez, 13e. Il a pris le large, hein, Koza. Il a peut-être dû changer les pneus, non?
mets une pénalité celui de devant. T'as un cosa. Il a démarré au moment que j'arrivais. Il est fou. Allez, il va entre temps faire sa pénalité. Du coup, je vais gagner sa place. 8ème. À mon avis, la BM, ceux de derrière, ils ont changé les pneus. Et merde. C'est derrière, ouais, ils ont changé les pneus. C'est sûr et certain. Oh putain!
complètement foiré mon départ. On est troisième, hein. Je vais pas y rester. Il y a trop de pression derrière. J'aurais dû changer mes pneus. Ils glissent mes pneus. C'est peut-être moi qui a l'impression parce que j'essaie de forcer en fait. Allez, je vais essayer de me détendre. Et ceux de derrière, ils me mettent la pression de ouf. Putain, mais qui les con ? Putain, c'est toi le con ! Je te laisse la place, je lui laisse la place, il me rentre dedans ! Putain, allez. Il est fou lui. Putain, je suis dégoûté. Cœur perd en rampe fermée.
fais quoi là? Ouais, j'ai perdu toute ma concentration. Que de la merde. Je fais que de la merde. C'est planté derrière.
Vas-y, me rattrape. 9e. Pourquoi ça bloque comme ça là? Ah putain, j'ai une collision! Bon ben, 8e. Je suis dégoûté, je suis assis sur cette course. La voiture ne réagissait plus comme au début. Bon, on va revoir. Vous allez voir que en vrai, ah, c'est pas évident. Là après j'ai eu du mal à freiner, mais en vrai je pense que c'est moi quand même qui entends. On va se mettre en vue comme ça. Ça va être beaucoup plus fringant. Là, il me touche une fois. C'est moi qui reviens vers lui. Et là, j'ai du mal à freiner. Et du coup, bah, je le tamponne. Heureusement, il finit 4e. Heureusement. Donc là, c'est... Je pensais... Honnêtement, je vais être honnête. Je pense... Bah, j'ai levé le pied. Si on peut le voir sur le ralenti, hein. Si on peut voir sur le ralenti, regardez, la barre verte, hop, je lève le pied comme je l'ai fait avec le pilote BMW. Mais je pensais que j'avais laissé la même place. Et finalement, non, ça s'est avéré que non. Donc je comprends l'éclatement et je comprends l'agacement de Koza. Donc du coup, je me suis excusé par message. J'espère qu'il va pas me rapporter. Bon, comme vous avez pu voir la course, franchement, je suis assez déçu de moi parce que... Je faisais une bonne course, j'ai même été à un moment donné sur le podium. Donc du coup, voilà, je suis quand même content de ma course parce que voilà, j'ai quand même eu des bonnes batailles, j'ai eu de la bonne défense, etc. Mais voilà, je pensais que Koza était en tort, donc mille excuses à Koza, le Polonais. Ce n'est absolument pas lui. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, personnellement, je pense que je suis en tort, c'est moi qui reviens vers lui. Je pensais réellement lui avoir laissé la place. Et que bah, je tournais comme j'avais fait avec l'autre pilote de BMW. Finalement, non. Donc du coup, je comprends sa colère. Mais il finit quand même 4e. Je pense qu'il aurait pu finir sur le podium.
C'est dommage parce qu'il m'aurait passé. Bah ouais, il était sur le podium. Hein. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Je lui ai fait foirer son podium sans faire exprès. J'espère qu'il va pas faire un rapport. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir quand même sur cette course. Je vais pas dire le contraire. En tout cas, je vous remercie beaucoup de suivre la chaîne, de suivre tous les nouveaux, les nouvelles vidéos et les nouveaux projets Let's Play que je fais sur les modes carrière, MotoGP, F1 24. Là, je vais faire bientôt, je vais faire demain, normalement, je fais du LMU. J'ai pas encore regardé s'il y avait une course demain sur Gran Turismo. Faudrait que je regarde, tiens. Il serait temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de me suivre en live sur Twitch. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.